à toutes et à tous, c'est la meilleure intro, on va terminer ce jeu de mort, c'est parti. Salut. Oh, ce jeu de mort. Non, 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 bonjour, on aime bien ce jeu, on aime bien ce jeu, mais on aimerait on aime bien le terminer au moins. Mais les oui. Les fraisiers. J'adore le nom de ta chaîne, c'est trop bien. Merci beaucoup pour ton raid, bienvenue, bienvenue. On est sur Return to Moria avec toute l'équipe Talking Winnie. On est en train de Oh, le stuff de Zinzin. Attendez, je prends ce qu'il y a de mieux. Les fraisiers pensent hop. Pas. Ouais. Ensuite ça, hop. Où ça? Où ça, où ça? Bah je te dirai pas. Bombadilo. Il est fou lui, merci ah, beaucoup. Mais vous êtes là comme, de, comme des oh là vieilles là. En t'attendant dans les sols. Merci quoi. Beaucoup Scrum. Tiens, je mets de la pierre à la place. Oh le casque. Moi, de Zinzin. C'est clair. Merci oui, Céoxys. Avec une pastille. Merci beaucoup Céoxys. Oui. Merci beaucoup. Oh là, comment il nous carry. En gros, je vous explique. Il y a Céoxys qui a les farms dans sa session et qui nous a ramené des dingues. Et du coup, on va être équipé comme Jaja. Ça paye. Il n'y a pas de casque. Ah si. Attends, mais il y a des pioches, c'est des pioches qui font mal. Je pense, hein. Ouais, ils ont l'air de faire plutôt merci mal. Merci beaucoup pour ton follow. Et bonsoir, Bloody Nounours, comment ça va? Mais du à quand un nouveau conseil en terre de milieu? Salut les fraisiers, comment ça va l'équipe? À quand un nouveau conseil interdit mais il va écouter pour l'instant c'est pas prévu. Mais pourquoi pas un jour un destin, on sait pas. Mais ça va super, merci beaucoup pour ton raid, vous faisiez quoi? Attends, je vais me muter Discord. C'est exactement ce que j'allais dire. mais pour un prochain conseil, on peut imaginer quand on aura plein d'infos sur la série saison 2 et on fera 100 fausses TA. Hein? Pardon. Allez, pourquoi pas. je ne viendrai pas. Et sans Varda aussi. Non, pas sans Varda, ça c'est pas possible. La logique elle est abrupte. Ah ouais, non mais tu peux pas inviter, enfin c'est ne pas inviter Varda, ça, non, quand on parle de la série c'est pas possible. Et no joke, c'est que moi qui devrais host quand c'est la série uniquement qu'on en parle. Mais... No joke, il y a un mec, tout à l'heure on discutait, enfin sur mon chat quand j'étais en live, et il disait, ça serait bien qu'il y ait une vidéo récap de la saison 1 avant que la saison 2 sorte, toi. Donc Varda, si ah, c'est déjà prévu. D'accord, c'est déjà prévu. Il est aussi prévu des récaps par personnage humoristique. Oh, pas mal, pas mal. C'est beau, c'est beau. T'as pas répondu. De quoi j'ai pas répondu? On fait comment pour être Valar? Faut être investi, faut être bienveillant. Donc Elessar, tu ne seras jamais Valar. Faut apprécier la série. Compliqué déjà. Ah oui, ça c'est compliqué. Faut apprécier non, toutes les œuvres de l'univers et les accepter. Les gens à apprécier non, la non, série, je me demande d'être bienveillant envers la série. Voilà. Objectif. On peut ne pas aimer. Oui, oui. On ne doit pas forcer les gens à dire, ne pas aimer. C'est la pire série, ils savent pas écrire. Qui n'a pas pris de excusez-moi, de pelle pioche. Percy Jackson. Bah, je sais pas, bon. C'est aussi, si on est d'accord, le stuff que j'ai pris, c'est good pareil, là. Hein. Oh, elle pue la merde la série. Hein. Pardon, excusez-moi. On l'a terminé aujourd'hui et bah c'est comme si c'était rien passé hein, dans ma tête. Bah je ouais. Bon du coup on va où avant de continuer à parler pour rien là. Moi j'ai eu la petite vibes à la fin Harry Potter. Ah ouais. Ouais ça m'a fait penser à Harry Potter. En mode ils retournent chez eux et tout oui, est beau qui finit ils bien. Ils promettent de revenir l'année prochaine. Oui oui en mode pour la deuxième année de l'école. Voilà. Du coup, on va où les enfants? Il y a une lance chef-d'œuvre hein, par terre. Vas-y, je la prends. Ah, mais c'est moi, j'ai ma grosse pioche. On peut essayer d'aller vers le. Personne veut ma retourner pioche là. Là où on était. La minière. Non, moi j'en ai une. Mais elle sert à quoi du coup la lance là spéciale? Je sais plus, il faut. Bah, c'est en fait la lance qu'il faut qu'on. Voilà. C'est celle spéciale pour tuer le dragon. D'accord, bah je vais quand même la prendre. J'ai mis du diamant noir dans le coffre, bon jeu à vous. Où ça? Bah merci, hein, c'est que 6. Attends, je le prends. Je sais plus où on doit aller. Ah oui, on était dans Caradhras. Pour mon aventure solo. Parce que je sens qu'à un moment je vais galérer et que ça va me gaver. Et donc je vais piller les ressources ailleurs, je pense. Il va nous voler les ressources quoi. Non mais ça va. C'est le serveur des ressources. Bah, du coup, on se TP à l'endroit où il faut. J'essaie de retrouver où c'est. Il faut aller où? Me revoilà, excusez-moi. Je sais pas. Au pire, c'est aussi, reste avec nous et guide-nous. Hein, parce que on n'a pas de guide. Tout le monde est paumé. Donc c'est aussi. Je me rappelle plus. C'est aussi, il faut que tu reviennes et que tu nous guides.
Groin, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de dégueuler des pierres précieuses? Non, non, il vole, il vole. Tuez-le. Non, non, c'est pas moi. Je me prise. J'ai des preuves. Je vais faire un thread Twitter. Momori est un être incroyable. Oui, il est très très gentil, Momori. Et j'ai eu l'opportunité de le croiser en vrai au dernier marathon de la crypte. Caradhras, le cruel 2, on a dit? Non, je sais pas, je cherche où on doit aller. Eh, le chat. Franchement, j'ai une info pour vous. Je sais pas vous la dire, mais au Paris Fan Festival, il y a une personne qui a été invitée. C'est quand même sacrément cool, hein. Oui, c'est une dinguerie. Oui. Et je peux vous dire, c'est pas David Day, hein. Ça, je peux vous le dire. J'espère pour nous qu'il va jamais tomber sur nos streams et qu'il parle pas un mot de français. Il paraît qu'il est pas... Il est pas méchant, mais à partir du moment... Mais il défend très fort ses œuvres. Bah, en même temps, bah il oui, fait... tu m'étonnes, comme du coup, monde, il serait méchant. L'attaque du truc, c'est what the fuck, quoi. Je peux pas rester, j'ai donné tout mon stuff, j'ai plus rien, et les chemins sont différents. Si je peux pas venir en Vogue, vous donner des tips de chemin, ça va être chaud. Bah sinon, on vient en Vogue, mais... Un roi, basilic. Un roi, bon, carrément, oui. On va bien réussir à trouver. On avait trouvé l'autre fois le bel emplacement. Du coup, faut qu'on se TP où? Et bah là où... Ah merde, j'avais pas vu. Oups. Attendez, attends. J'arrive les copains parce que je tourne en rond depuis tout à l'heure. Merde, j'ai cassé un truc. Vous êtes où? Je sais rien, en fait. Je vais vous laisser, je vais aller manger, mon ventre hurle famine, t'inquiète. Bah écoute, une très belle soirée à toi aussi mec, et merci beaucoup pour ton raid, ça fait trop plaisir. J'espère que je te retrouverai bientôt en live, et voir un peu ce que tu fais. Question, vous êtes TP Oui, c'était aussi une question qui m'intéresse. Parce qu'ils me paraissent super loin, mais ils veulent pas me répondre. Oui. TP filon de mithril. Est-ce qu'on a toujours la hache de Durin? Oui. Parce que oui, y avait un endroit où il y avait du caca. C'est toi le caca. Ça, allez, tous au filon de mithril, c'est parti. Filon de mithril pour aller vers le dragon. Ok. Plaisir, oui. Objectif, aller vers le dragon et dépecer le dragon. Putain, c'est moi ou on est en train de les marave? Ouais, on les marave. Attendez-nous, nos yeux, vous avez mes yeux. Par contre, ma lance, elle leur fait cud. Hein. Oh là là. On est dans une région hostile ici. Wouah, c'est quoi ces statues? Oh, ça y est, moi je suis bloqué dans le chargement. Et trop stylax. Oh, ah, non, voilà. C'est trop stylax ici. Mais t'avais pas vu la statue? Bah non, en fait, je crois que j'étais parti avant. Ah, t'es parti faire dodo. Bah oui, j'ai fait du dodo. La pierre de soleil. Je travaille dur. Oui. En étant. Oh putain, j'ai fait une quoi? Ah bah toi, t'es tombé dans l'eau. Quoi? Mais quelle idée de passer par là. Oh ah mais... Je viens de mourir, tes yeux ébahis. Putain, où est-ce que je suis? Au secours. Ah, j'espère que t'es mort. Mais non mais je suis à l'autre bout. Chef. Je suis dans une crevasse. Je bugué de ses morts. Hey, j'avoue, comment ça se fait voter? On va sur Unshrouded, hein, c'est fini là. Attends, il y a une ouverture, peut-être que... Mais je comprends pas, j'arrive pas à trouver le chemin d'où vous êtes parti. Oh, je sais pas où je suis. Vous êtes monté ou vous êtes descendu? Parce que j'ai voulu le foutre à la flotte. Bah ça c'est le karma, oh, c'est ça s'appelle. Oh, c'est la définition du karma, là, je suis d'accord. Là tu mérites, vous avez vu. Alors je dirais plutôt que c'est la définition du carnage. Mais t'as vu comment il nous laisse, Varda? Voilà, bon. Bah non, mais c'est juste que j'ai vu des pierres soleil, j'ai voulu les piocher, mais... Tu peux venir invoquer les rois d'ici si jamais vous avez... Moi, ouais, mais non, mais... On va trouver notre chemin, de toute façon, vous inquiétez pas. Je fais une aventure à moi. Mais moi, j'ai la hache de Dorine, Seoxys. Je sais même plus où... On avait le chemin avec... Il faudrait retrouver le truc avec les trois séparations, là. Vas-y, j'en ai marre, c'est plus, ce jeu est plus, c'est mort. Qui me met la pression en disant que j'ai une belle pioche et qu'il faut absolument pas que je la perde. Ça y est, j'ai bon pas... bah, je suis mort. C'est aussi s'il est très fort pour foutre la pression, mais très peu pour la servir, malheureusement. Ah, y'a des échafaudages. À l'aide. Ah, si, je suis au-dessus. Ah bah, je suis au-dessus de l'autre con qui est mort, là. La lance, c'est un autre chef d'œuvre. Okay. Saute dans l'eau, voilà, ça passe. Voilà. Bienvenue dans les montagnes dans blanches, ici. Nous attendons votre arrivée. Merci beaucoup, Fizzer World. Attends. Oh putain, ça me rappelle Elden Ring.
Si ça te rappelle. Nain tombé au combat, MDR, le mec qui essaie de cacher le fait qu'il se suicide. La tour où faut. Tu sais, la tour où tu peux l'inverser. Mais je suis La tour inversée de carré. Oh punaise, il va mourir. Et bah là c'était pareil, fallait que je sois sur les poutres, etc. pour descendre. Merci beaucoup, Nari. Ah, non, mais alors. Pour, ça c'est un vrai nain ça. Elro, je venais de sauver. Non. Nari ici. Nari c'est un vrai nain lui. Il sauve ses c'est congénère. Nain tombé au combat, MDR, le mec qui essaie de cacher le fait qu'il suicide. Bah écoute, on fait comme on peut. Hein. Par là. Non mais punaise J'ai l'arme de fou furieux que t'as, toi. J'arrive même pas à monter sur une échelle. Ah bah là, oh je vais péter un câble. Il est sérieux là? J'ai pas de bois. Ça s'est cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais venir chez lui. Je sais où il habite en plus. Et je vais chier devant la porte. Non, je vais casser son volet. Il va devoir attendre 6 mois pour en avoir un nouveau. Non. Ah bah, c'est con que tu sois en haut, elle aura fait une échelle. Non, t'inquiète pas. Vous rappelez où c'était les trois. Les trois trolls? Les trois chemins. Non, les trois chemins là. Aucun combustible disponible. Attends. Qu'est-ce que. En fait, on devait faire quoi là? On essayait de rejoindre la forge de Mithril, c'était pas ça l'idée? Là, on est à la forge de Mithril. Sinon, moi, à mon avis, il faut rejoindre les. C'était Caradhras le Cruel 2, je crois. Au sol. Je vérifie. Ah oui, non, mais pourquoi c'est moi qui vérifie? C'est vrai que j'ai 40 minutes de chargement à chaque fois. Qui c'est aussi qui nous dit que c'est pas là qu'il faut aller. Ok, c'est vers pas. C'est pas là. Vers les trois chemins. Putain, mais on est des cassos, mine de rien. Bah, en vrai, sur la carte, il y a peut-être un objectif. Ouais, mais pour ça, faudrait que la carte elle soit faite de manière à pouvoir nous aider. C'est vrai. Et puis, il n'y a pas de panneau. Ouais, non, mais je veux dire que depuis le début du jeu, cette carte, elle est vraiment... Et puis, c'est mort. Il faut forger une arme en mithril. Mais on a pas de mithril. Oui, mais il faut qu'on en fasse. Attends, mais j'ai une pioche. Bien ce qui me semblait, il faut qu'on en fasse une... pour pouvoir ouvrir la porte pour aller tuer le dragon. Du mithril, il y en avait dans les grottes juste après le quartier des elfes. Il y a Seoxys qui me dit qu'il faudrait que je prenne ta pelle pioche parce que t'as déjà une lance pour taper. Elle a l'air très bien, mais ma pioche elle permet de taper les minerais aussi. Non, pas celle-là, c'est une arme. Bah si, regarde. Oui, mais ça fait peu de dégâts. Hein? Regarde. Attends, et du coup avec ça je peux? Bah non, ça fait rien. Mais c'est à dire que je pouvais plus... si je te la donne, alors, je peux plus miner. Dans ce cas là, file ta lance. Ouais, je te file ma lance, ouais, plutôt. Moi ça change rien pour moi. Mais où c'est que je suis? Ah si, parce que ah du ouais, coup... Mais... Bah oui. Voilà. Bah oui, du coup. Bah oui. Donc on a trouvé la forge en... Après, de Mithril, en vrai, finalement. Tu peux la garder, hein, ça me dérange pas. Ouais, mais du coup ça veut dire que t'as la hache de Dorine, toi. Oui. Ça m'arrange. Et elle sert à quoi? Elle sert à péter, oui. À péter le caca. Okay. Et surtout, elle s'appelle Retour. Oui, il faut que tu la rendes à Bulia. Parce qu'il faudra que je vienne la récupérer, enfin que mon compagnon vienne la récupérer. Ok. Y'a pas de soucis. Alors, tu fais pas de la merde. Hein. Est-ce qu'on tourne à la maison, on se prépare et puis on regarde où il faut aller pour choper ce saloperie de dragon là? Bah écoute, hein. Ouais. Là, je suis retournée. À partir de la maison, on peut tomber sur une zone à caca. Et donc, normalement, puisqu'on avait dit que tout était relié, on pourrait rejoindre le. Ouais, mais non. Attends, la zone à caca. Enfin, la maison, c'est Fléau. Désolation de Fléau 2. Ouais, c'est 2. Ok, donc on dort. Je sais pas, comme t'as chié dans le coin, du coup, à chaque fois qu'on arrive, on a des lags de furieux. J'ai pas chié dans le coin. Oh, si, bah, si, t'as foutu plein de merdier par terre. Vas-y, je ramasse sa merde. Ah merde. Ah mais il n'y a pas assez de coffre. Mais j'en ai fait un en bas. Je pensais pas que ça laguait. Pour mettre tout le caca. Je suis désolé. Tu seras juste banni, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Répète un peu pour voir là. Allez, venez faire dodo. Je suis dans le chargement. Non, je vais pas faire dodo moi. Quoi? Attends. Ah, oui. Elle est pas fatiguée. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance dans le chat. Dans Alors, le bobo.
Moi je suis persuadé qu'à la zone où on avait fait notre première vraie maison, là il y avait du mithril en haut. Oui, bah je... En fait j'y suis et j'essaye de l'atteindre. Bah sinon pire on y va, on a vraiment besoin de dormir. Ah oui, bah, ouais, il me reste plus qu'une demi-barre de... C'est nul qu'on puisse pas dormir et pendant que les autres dorment pas. Je vois Enshrouded, mec. Je peux faire ça dans Enshrouded. Bah j'imagine. C'est juste que plus il y a de gens qui dorment, plus la nuit elle passe vite en fait. Est-ce qu'on peut capturer des Pikachu? Oui, j'imagine. Parce que là, je pense qu'ils ont pas l'impression de revenir tout de suite. Après, attends, moi je vais aider Foster là, on est proche. Écoute, j'y retourne parce que sinon je vais vraiment rien faire de cet épisode. C'est Oxy se propose de venir en like vocal. Always. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Oxy se propose de venir en vocal pour nous filer le coup de main. Du coup, t'es allé sur la... Là, on a le but. On a notre target. Oui, justement, il veut nous montrer par où c'est. Pas qu'on se perde. Trop. Ah oui. Comme vous voulez. Hein. Ouais, on gère. On gère. Et Seoxys dit qu'il peut venir avec une deuxième hache de Durin. Bah, une seule, ça devient peut-être, non? Ouais, mais c'est juste que Fossa doit la rendre... Ah oui, attends. C'est vrai. Attendez, j'essaie de voir comment, par où ils sont passés. Donc là, vous êtes c'est par là. C'est la hache de Durin qui doit la taper. J'arrive, j'arrive. C'est dégueu. Enfin, j'arrive. Tout est relatif, mais... Mais t'es sûr que c'est Dimitri? Moi, je vois Pierre. Mais ça, j'en sais rien. Ah, je suis tombé. Ça, je sais pas si c'est ça, si ça c'est Dimitri, j'en sais rien. Je suis en train de me demander si c'est pas juste du décor. Le seum serait fort. Hein. Vous êtes dans les salles occidentales? Tu prends celui qui est en dessous de Quartier des Elfes. Oula, je l'ai perdu avec la... Celui qui est en dessous de Quartier des Elfes. Tu vois Quartier des Elfes. Hein. Attendez, je retourne au TP. En train de manger des sauts l'oignon cru là. Quartier des elfes. Ah oui, les décombres. Bah non. Hein? Non. Bah en dessous de quartier des elfes, c'est décombres. Ah bah décombres alors. Mais c'est bizarre, je me souvenais pas que c'était. Bah écoute, on verra bien. Hein. Décombres, ça me dit rien du tout, donc j'imagine qu'il y a un intérêt d'aller là-bas. Bah, si ça se trouve, ils ont renommé. Décombres, c'est le tout début du jeu. Ouais, mais en dessous de quartier des elfes, c'est... Je vois Nari. Ouais, parce que je suis venu à décombre, en fait, sous le truc de quartier des elfes. Ah, ouf là. Peut-être qu'il y a un autre quartier des elfes. Attendez, je regarde s'il y a un autre quartier des elfes. Bah... On a mine de la Moria. Sinon, il y a les mines de la Moria 1 qui est au-dessus du quartier des elfes. Ah, bah celui-là, alors. Putain, ceux qui confondent sont hauts, ils sont bas. Waouh. Non mais moi c'était en bas, je crois. Oh, je me souviens plus. On va jamais les retrouver. Ah non, je voulais lui sauter sur la tête. T'es aussi perdu que la mission d'AOTR. Non, à côté AOTR, c'est archi facile. Je sais pas, c'est peut-être carrément pas du mithril ce truc. Hein. Bah, j'ai peur. Hein. Oula, attends. Oups. Ça lag un Oups. Peu. Oups. Ah, oh bah alors! J'ai glissé, chef! C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression. Côté, oh bah j'arrive. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont pas loin là. Il y a des orques. On est au bon endroit du coup? Attendez, merci! Un plaisir. Oh putain, je sais plus. Oh, on a enfin retrouvé nos copains quoi. Oh, je sais plus comment on descend d'une échelle. Tu sautes? Bah oui, mais j'arrive pas. Oh les dégâts que vous faites! Tu vas crever! J'avoue que cette lance est relativement monstrueuse. Du coup, il est où le caca? Ah, il n'y a pas le caca, mon cher. C'est pour voir si tu peux casser ça. Mais je crois pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est juste du décor en vrai. Hein. Je pense qu'on s'est fait minder depuis le début. Moi, je crois que c'est juste de la lumière, un truc qui Ah non, tout est là-haut. Ouais, je pense. C'est pas du tout. Dans la Moria, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sirena? Bien sûr qu'on est dans la Moria. Ouais. Je me demande à quoi ressemble la lumière du soleil. Filon de mithril, c'est peut-être plutôt là-bas, quoi.
Dans la Moria, oui. Ah oui, oui, dans la Moria, oui, on s'y perd, effectivement. Planté dans la Moria. Depuis trop longtemps. Non, t'allais dire un truc, Faustéa, mais... Bah, c'est Oxys qui m'a envoyé sa carte, mais je comprends que dalle à la map de ce jeu de mort. C'est elle est à vous. Voilà. Elle est à vous. Yeah. Oh, j'arrive. Alors, je suis à vous. Je vous assure que je suis quelqu'un de gentil et bienveillant, mais ce grand jeu de ces grands morts. J'en veux plus. C'est vrai que niveau. C'est vrai que. C'est vrai qu'on n'est pas très bien guidé. Pour des novices. C'est super bien, mais il y a tellement de trucs qui sont catastrophiques sur la milieu et la fin du jeu que ça va pas du tout. Mais ça, on peut pas le péter. Oh, ça y est, j'ai encore de crever en bas. J'ai encore glissé. J'en peux plus. Je crois qu'on peut pas le péter, ça. Hein. Non, c'est de la merde. C'est juste du décor. Mais du coup, pourquoi on est là? Parce qu'on pensait que c'était pas du décor. Mais oui, mais le dragon, il allait pas être derrière ça. Pour sauter. C'est espace. Ah oui. Oh là là. Faites attention, moi je suis tout en bas. Je suis morte. Du coup, il y a... Ok, il faut qu'on aille près de la salle TP de Mithril. Enfin, un filon de Mithril. Faut qu'on retourne là-bas. Et ouais. On va essayer de trouver... Peut-être dormir avant. À partir de là. Ouais. Oui, bon, c'est déjà l'aurore, donc on va dormir jusqu'à la nuit et puis faire ça de nuit. Pas grave. On est des guerriers. Merci beaucoup. Allez, on va tous faire dodo et on repart sur des bonnes bases. Mais c'est l'aurore. Mais ah, on oui, est mais là, fatigué. Il me reste plus qu'un truc de la barre d'énergie, donc c'est juste pas jouable. Vous avez vu le chat, on a bien avancé. Hein. C'est faux. Ça va être encore une belle VOD, ça. Mais moi, je crois que les gens, ils ont de marre de retour en Moria. Ils sont en mode, mais j'en débarre. Il se passe rien. C'est exactement ça. C'est 20 minutes pour dire mais où on va. Et ensuite... Oh, c'est la majorité des rapports sexuels dans le monde, quoi. Pardon. Quoi? Mais pourquoi j'étais... Mais qu'est-ce qu'il raconte? 20 minutes pour se demander et puis après où on va, quoi. Mais... Ah, c'est bon, je suis prêt à faire dodo. Ouais, bah moi il m'a TP complètement n'importe où, donc... Ah... Putain, on est des vrais gamers, on va se coucher quand l'aube arrive. Des gamers. Exactement. Oh, le petit ricanement là. Oh, j'ai rarement fait ça. Et devinez quoi? Non, j'allais dire c'est Vardemir qu'on attend, mais c'est pas Vardemir. Bouya, c'est pas. D'habitude, on l'attend pas, c'est lui qui est en premier. Ah voilà. Il a trouvé un autre lit. Oui, je vais dormir. Bah. C'est vrai qu'on pourrait se balader avec des lits en fait, hein. Alors, est-ce qu'on va à l'endroit où on était sûr qu'il y avait du caca? On mange surtout. Ah. Première étape. Oh, mais en plus, il y a encore de la saucisse purée, mais incroyable. Alors, il aime bien la saucisse même purée. Pas là. Ça, c'est encore toi, ça. Bien sûr. Tiens, je vais réparer mon stuff pour être sûr. Oh, ouais, il a même, j'ai même pas perdu de. Ok, trop fort. C'est vrai qu'on est bien avec du bon stuff quand même. Donc là, on se TP où? Putain, mais Dorine 2, TP-moi à Dorine 2, pas dans le cul d'une poule quoi, genre c'est nimp. Ah, mais ce jeu de merde! Du coup, c'est où qu'on doit aller? Des mots durs mais vrais. Faut aller vers Filon de Mithril. Filon de Mithril. Oui. Ok, c'est parti, Filon de Mithril. Ah, c'est dommage, le début de la chanson avait l'air prometteuse. Hein. De qui? En fait, la chanson est à l'image Mithril. Du jeu. Pour le début, elle est prometteuse, puis après, ben voilà. Ah, me revoilà dans un temps de chargement. Putain, c'est vraiment mensonger. C'est marqué Glow in the Dark. On a testé avec Faustéa la pop seront dans le noir. Et Glow in the Dark, mon cul. Hein. Ouais. Bref. Alors. Je vous propose. Donc on est d'accord que dans la forge, il n'y a que la forge. Oui, mais la forge, oui, donc c'est on doit sûr... faire demi-tour et essayer de retourner sur les petites. Oui. Sur nos pas. Sûr qu'il faut faire demi-tour. Oui, oui, parce il faut. Que là, il y a une ouverture normalement sur la carte. Là-bas, il y a des orques avec du caca. Putain, je sais pas où je suis. Je suis orienté comment là dans cette merde. Alma. Il y a du caca là-bas. Il y a du caca orc. C'est quoi encore la langue des nains? C'est le Kuzdul. Kuzdul. Et la langue des signes, c'est Iglishmek.
Oh, ils ont même une langue des signes, c'est beau. Oh, je les ai soulevés, c'est tellement jouissant. On peut enfin 1v1000. Ouais, la langue des signes, depuis que j'ai vu la série Echo, je préfère qu'on en parle pas trop en ce moment, quoi. Je crois que j'ai regardé... j'avais dit, mais... on a regardé 30 minutes et on n'a pas continué. Oh, c'est chier. Il y a plein de trucs que je vais crever. Oh, bah après, non, pas déjà. J'ai regardé The Marvels, c'était pas mieux. Hein. Oh, ça va, c'est mieux quand même. Ouais. Oh, en fait, t'as kiffé la longue période où il chante de manière angoissante tout le temps. Ah ouais, mais je vais crever en fait. Je sais pas ce que je fais, j'essaye de trouver par où on doit aller, mais je vais crever. C'est par seul au combat. Là, on est sur un cul-de-sac. Mais ouais, oui. Là où j'étais, c'était pas mal. En fait, là où je suis, il y a un passage derrière. Il y a une salle où on n'est pas allé. Gros, viens. Suis-moi, gros. J'avais trouvé un chemin qui était vraiment bien. Attends. Mais en plus, on est venu par ici, c'est ça qui est fou. Ah, il y a un dragon. Mais c'est là la suite. Il y a une porte, il y a un muret. Quoi? Ouais, il y a un dragon, c'est vrai. Il y a un muret à détruire là-bas en face. Vas-y, on y go. Ah, derrière le dragon. Tu peux pas recréer un truc? Merci beaucoup. Ok, c'est pas par là donc, c'est. Je vais te soulever! Oula! Ah, visiblement ça se passe mal. Bon, moi je crée une porte. Hein. Oh là. Tu m'excuses. T'as 288! Les dégâts sont utiles maintenant. Quoi ça, minerai d'or, on s'en fout. Ouais, mais moi je suis de nouveau en train de mourir de plus d'énergie, quoi, et ça c'est chiant. Déjà ? Bah oui, parce que je me suis TP deux fois, et vu que j'en ai une qui a raté, il s'est de nouveau TP totalement au pif. Aïe aïe aïe. Je reste pas loin de toi comme ça. Ah. Bon, allez, nous on continue. Ouais. On ouvre la voie pour voir si c'était une idée de Scheisse. C'est forcément une bonne idée, non ? Bah oui, parce que c'est notre idée. Parce que c'est notre projet. Ah. Attends, il y a un passage de la droite. Oui, mais je regardais ce que c'était ça. Ouais. C'est quoi? Vas-y, regarde ça et moi je vais voir. Minerai de métal stellaire. Bon, j'en prends un peu. Il est petit format ce dragon. Ouais, ouais, il est... c'était un bébé. Non, mince, je suis tombé. On l'appelle bébou dragon dans le milieu. Tac. Et ça se casse ça Ah oui. T'arrives à me reste, s'il te plaît. Ah oui, mais c'est ça. Ouais. Oh, on s'en fout un peu, je pense. Bien, Varda, là, il y a plein de chemins par là. J'arrive. Je vois. On va bien trouver un dragon dans le coin, non ? Ish. Attends, mais je peux pas péter les trucs avec ? Ah si, avec ça, je peux. Ok, c'est bon. J'arrive. Ok. Par là, il y a un truc. Ah, il fait son aventure tout seul, là. Pour une fois, je peux péter des trucs. Oh! J'ai l'impression que c'est un gros cul de sac. J'ai l'impression que c'est un gros cul. Oh punaise, quand. Cul de sac, ce jeu il rend vraiment fou, j'en veux plus. Ouais, j'ai l'impression d'avoir vu cette salle 1 milliard de fois. J'ai même pas envie d'y aller. Moi j'y vais. Bah vas-y, va crever. J'ai pas de bois pour faire des plateformes. Eh bah, n'y allez pas. And in that moment he knew. Mais non, mais n'y allez pas, bande de fous, ça pue, c'est mort. C'est pas grave, on a l'habitude que ça pue, on est. Qui t'aime le mot entre Faustéa, Bouya et Vardamir? Vardamir, c'est le pire. Les autres, c'est des crèmes, mais Varda. Tu veux que je fasse des plateformes, Vardamir? Bah, je sais pas. En fait, je sais pas si ça sert à quelque chose d'aller en bas. C'est quoi cette question? Elle est ça, là. Tu veux créer du drama, c'est ça, là? Je me suis pris un caillou, la vie de ma mère. Et je suis tombé comme une merde. Eh, vous sentez le cul-de-sac de ouf? Je cherche la merde, MDR. Ouais, tu t'embêtes dans ta vie. La façon que t'as eu de dire, d'exploser quand t'as dit que tu t'étais pris un caillou et tout, on aurait dit Augustin de The Great Review en live. Ah, j'ai pas la ref là pour le coup. Attendez, il y a une ouverture. Putain, je suis pas un caillou, mais non. Il y a un truc. C'est peut-être pas de la merde. L'espoir renaît, mes amis. Ah, l'espoir renaît. L'espoir, est-ce qu'il y a de l'espoir? Ouais, tant que c'est pas René la taupe, quoi. L'espoir renaît la taupe. Tii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 
Waouh. Vous sentez le cul-de-sac au bout du chemin là ? Non, il y a des trucs, il se passe des choses là, Oh, j'ai trouvé des panais. Il se passe des choses. Moi je vois des champignons. Regarde, on a des panais, alors ça, si c'est pas une. Moi je vois des champignons, hein. C'est tout ce que je vois. Et je saute. Arrêtez-moi sinon je saute. Ça me rappelle quand t'étais. Dans la vidéo justement, Vardemer, tu dis. Arrêtez ou je saute. Ouf, Ostia, t'es allé un peu bas là. Non, je suis empoisonné. Oh, je vais crever comme un caca. Bah, moi, je me suis pris un caillou dans la tronche. C'est pas de chance. N'hésitez pas à regarder au-dessus de votre tête. Hein non, évidemment, ça ne sert à rien parce que les cailloux ils pop. Ah, y'a un armée qui est mort. Comment ça, tombé au combat. Oh merde, moi aussi. Ça m'a TP en arrière et je suis mort. Oh, en plus, t'es mort dans l'eau. J'ai essayé de te raise, mais ça m'a re-TP. Ah, je suis pas dans l'eau, je suis juste derrière toi là. Non, non, t'es devant là. Je suis décédé de décès. c'est français, ça, je reconnais. T'es tombé dans l'eau. Oui, je sais, mais quand t'es tombé dans l'eau, ça te TP juste derrière parce que tu peux pas tomber dans l'eau. Mais là, je peux pas le raise là, on est d'accord. Attendez. Bah. Sans seul. Oh, mais ce jeu de mort. Le domaine des orques de l'ombre. Ok. Adieu. Ah, je suis pas allé du bon côté du coup. J'ai un poil de points de vie, voilà. Un poil. Ah ouais, non, mais il me reste genre un point de vie. Je suis désolé, Bouya, mais je peux pas atteindre ta zone. Ok, c'est pas grave, je lâche et je reviens de toute façon. Hello. De toute façon, ce jeu peut pas être plus décevant. Qu'est-ce qu'il a encore, l'autre là ? Humouru. Oh, bah attends, j'arrive. Oh, bébou, j'arrive. Attends. Le petit nain il tombe au combat, faut l'aider. Il a du mal. Et comment t'es arrivé là-bas déjà ? Ah, j'ai suivi le chemin. Ah oui, le chemin. Chemin pourri. Suivons ce chemin. T'es, je suis en train quel de faire chemin ce chemin je suis, nous de faire traçons. Un, je suis en train de faire un chemin, Faustéa, c'est terrible. Le chemin de la vie. Non mais. Ah, vous avez pas la ref. Oh. Non. Sorry. C'est dans quoi ? C'est dans Kung Fu Panda, c'est sûr. Attends, j'essaye de trouver un truc pour que tu t'y aies la ref. Oh putain, Elro, il était à ça de dire que c'était dans Kaamelott. Non, c'est pas grave. Attendez, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais si je dis le nom du gars, tu vas trouver. Est-ce que Tulio et Miguel. Dis rien. Ah, c'est un Disney. Non, c'est pas justement, c'est pas un Disney. C'est un Pixar. Non, c'est. C'est DreamWorks. Mais... Il y a un TP au fond du camp d'orques à réparer. Ah, on est sur le bon chemin, c'est ça ce que tu es en train de dire ? J'ai pas de diamant noir sur moi, donc je peux même pas essayer de tracer pour elle. Moi aussi j'en ai du diamant noir. Attendez, je vais sauver Varda. Mais pourquoi t'es parti à 25 km là ? Bah, je sais pas, moi il y avait des trucs qui s'ouvraient. Il a vu une lumière au loin, il a été attiré. Bah c'est ça. C'est une mouche. En plus il est mort. Moi je vois de la lumière, j'y vais quoi. Mais t'es mort comment ? Le poison. Oh, c'est vraiment une mort un peu nulle. Hein. Et l'alcool et le tabac mais... Ça on va éviter d'en parler. Heureusement la drogue et les putes n'ont fait aucun... Ah d'accord. Attends mais il y a encore des trucs par là. Non mais attends, mais Faustéa elle a trouvé un camp, il faut aller au camp. Oui non mais j'arrive. Arrête d'en faire qu'à ta tête là. Mais non, mais on pourrait aller encore plus bas. Oh. On pourrait aller encore plus bas dans le fun. Au fond du fun. Si je dis ça après, elle va croire que j'ai la ref alors que je l'ai pas. Mais attends, mais moi je vais vers Faustéa. Elle va faire voir Damien Jean. Mori qui me dit Eldorado là. Dis-lui mais que oui. C'est à l'envers, but. Oh là là, le chat. C'est la route d'Eldorado. On est sur une fin de partie compliquée. Oh, j'ai regardé tellement de fois ce film. Bah attendez, suivez-moi. Ça c'est sûr. Je dis je vais vers Faustéa et Faustéa va vers Vardemir, donc forcément ça pose un problème ou non. Ah mais qu'est-ce que tu veux, je suis... Bah oui, j'essayais de vous rejoindre. J'ai un poil de fesses, envie de mourir. Hein. Toute seule dans le froid.
Oui, surtout ici, c'est pas forcément le meilleur endroit. Tracer le chemin. Ça y est, j'ai retrouvé la musique de tracer le chemin. Bon, il était temps. Ça m'énerve, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais perdu, c'est nimp. Pobulia. Fais comme. En vrai, s'il y a un TP. L'oiseau. Non, non, mais putain de flotte. La vie d'amour et d'eau. Prêche à l'oiseau. Oh. Un peu de chasse pêche à l'oiseau. Ah oui, il y a des orques bizarres. Et oui, ils sont tout caca. L'empêche l'oiseau. Ah mais ils sont costauds. Ouais, ça va. Moi j'ai plus de vie. Moi, j'ai plus rien. Bon, on a perdu Boulia. Ah non, déco pas, hein, parce qu'après nous bah on vire aussi. Que si je déco, vous aussi. Bah oui, je suis bien. Oh, la fin d'aventure qui est. Moi j'ai quand même regardé Roméo et Juliette. Hein. Non, mais c'est... Je viens de mourir. C'est vrai que t'es mort vraiment sur un bug chelou quand même. Le coup de l'eau était vraiment. Non mais Bulia, bouge pas et on va te faire un TP. Oui. Tu veux le diamant noir que j'ai ou pas? Oui, oui, mais. Oui, mais ton stuff sera pas loin normalement, non? On verra. Est-ce que tu veux le diamant noir, Varda? Non, j'en ai. Je connais le jeu, lequel, le petit elf? Quel jeu? Oui, on est d'accord, c'est le dernier camp du jeu, hein. C'est faux. Je vais bientôt décéder, hein. Bah non, faut pas décéder. Faut mieux jouer là. Ah. Joue mieux là. Joue mieux s'il te plaît là. Bon ça va, on tanque quand même bien avec ses armures. Ça va les dégâts Elro, ça te plaît? Franchement, tu régales. Je passe un très bon moment là. En tout cas dans les combats. Ah, je suis désespéré. Je dis pas que je passe un très bon moment. Ouais, oui, moi je vais bientôt crever. Je vais sortir de là. Oui, oui. Je vais mourir. Restez derrière moi, je vous tank. Je vais mourir. Faut se taire. Si, voilà. Je meurs, voilà. Alors là, je peux rien. Oh, impeccable. Voilà. Oh là là, purée, fou. J'ai plus de vie. Décède et je te. Mais ouais, je m'en occupe. Restez derrière moi. Moi je suis prêt, hein. Je suis prêt à réanimer. Je suis le médic. Je me dis. Ah là, t'as la meilleure arme du jeu, mais t'as la deuxième meilleure amélioration. Il a pris tout le pognon d'un coup là. Ça y a Chloé qui est en train de voler sous la map de Hogwarts Legacy. Quoi? Elle a glitché sous la map. Ah oui. Je sais pas comment elle a fait ça. Putain, 2023 et les jeux. C'est la magie. C'est on dirait la magie. De la magie. Ça donc se mange. Normalement, il y en a un TP. Vas-y, moi je mange des herbes mordantes, ça a l'air bon. Hein. Je vais même manger après, un steak cru. Ça va être encore un boss à la con, non? Mais c'est Oxys m'a dit qu'il y avait un TP derrière le camp. C'est Oxys, il troll, c'est sûr. Oui, bah moi on m'avait dit que c'était celle du camp. Moi on m'avait dit qu'on était déjà au dragon. Hein. Et au final, mon costume c'est un coton-tige. Ah, bon, ton costume donc, de quel mort, là, et moi on m'avait dit que c'est un CDI et. Ah. Ça c'est fini. Dans ma tête. Oh, oui. Je sais pas et où on va, mais y'a des orques. Ah. Si tu faisais du télétravail quand tu étais en télétravail. Le pire. Putain, j'ai donné un grand coup chargé et tout ça dans le vide. Bon, demain, j'ai un call avec Amélie. Normalement, demain, le chat, on confirme le Paris Fan Festival. Le Paris Fan Festival cette année va être une dingue. Si tous les invités donnés sont là. Déjà si je suis là. Bah voilà, déjà ils ont été exceptionnels qui seront là. On sait pas qui c'est qu'ils invitent comme gros star à la place de Terry Hatcher et des deux connards de bah toi. Pour les vampires. Toi t'es une star. Je suis une star. Une rostar. Par contre, pour la Comic Con ils ont Théoden. Et pour la pour la Comic Con en Belgique, ils ont Frodon et Mary. Oh bah ils ont mis le budget. Oui. Oui mais ils ont que ça d'annoncer. C'est déjà bien. Donc là en gros, vous voulez que je vienne en vogue pour vous aider, je peux guider le chemin, la strat sur le combat du boss. Bah vas-y. Au pire on décale sur la TDM comme ça il est là. Ouais bah on décale sur le Discord de la Terre du Milieu. Alors à tout de suite. Allez c'est aussi si tu viens. Sans en terminer avec ce jeu de mort. Venez tous en... Je vous décale dans Valinor. Voilà, Valinor, nous voilà.
Je sais pas où ils se sont TP, mais TP vous, voilà. Faustea c'est TP, c'est bon. Ah, j'ai mon beau Faustea, l'unique Bilbon Sake qui apparaît. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut faire un stream sur Discord comme ça, je vois en temps réel ce qui se passe et pas avec 10 secondes de délai sur eux. Je sais pas si mon PC va supporter, donc peut-être je le fais, Faustea. Ouais, je stream pas moi, donc je vais le faire. Et Vortemur, il est resté tout seul sur le chat. C'est parce que Vardamir, comme tu l'aimes pas, bah il t'aime pas non plus, il a pas ton Discord. Oh, ça se trouve. Mais si, il est sur Discord. Tu vois, ça ne veut pas. Ça, pourquoi ça veut pas? Varda, de toute façon, c'est le pire. Est-ce que vous avez les droits de partager un stream ici sinon? Peut-être que je l'ai désactivé, mais. Ouais, j'ai pas de droit. T'as pas le droit? Les droits. Je pense que elle a le rôle unique, elle peut bien. C'est vrai. Je suis juste unique. Je suis juste l'unique Bilbon Sake. Juste. Alors. C'est bidon Sake. Mais ouais. Attends. Là, je m'insulte, si vous voulez directement aller au boss, il n'est pas très dur à faire, je peux vous guider. Et après le combat de boss, il y a juste. Normalement, c'est un bon. Truc où tu as à faire attention, mais le combat peut être assez simple à faire. Je te laisse essayer. J'ai réussi au deuxième try de mon côté. Bah, en soi, nous. Non, j'y arrive pas. Ah bon? Bah alors. Bah non, ça ne veut pas. Fais un effort. Faut que tu fasses toi, Elro. Oui, au pire, je le ferai, mais. Non, mais vraiment, désolé, j'essaye. Permet aux membres de partager leurs vidéos, d'utiliser le partage d'écran ou de streamer des jeux. Non, mais c'est pas le channel Valinor en question qui a des restrictions spéciales. Bah écoute. J'ai pas l'erreur. J'ai pas l'impression. Bon, sinon, je vais faire un partage d'écran, ça veut pas. Partage écran. Moria. Hop, voilà. Là, faut qu'on PC y supporte. J'arrive et j'entends Nick Bilbon Sake qui a osé dire ça. Non, mais c'est moi l'unique Bilbon Sake. C'est pas Bilbon Sake, c'est Bidon Sake. Ouais. Morée, engeance. Oh, et du coup, mon live est en PLS. Il fait quoi, Vardamir? Bah, il souche, hein. C'est pas. Ouais, c'est trop bizarre que j'ai pas les droits. Attends. C'est du coup, non, je peux pas en fait faire un partage. Pas de soucis. Ça fait mode diapo du coup. Okay, pas de soucis. Attends, Valinor. Pourquoi en soi. Attends, se connecter. Donc, si je mets à tout le monde ça. Au pire, si tu donnes un rôle, c'est de mon de staff à Fosta, elle a forcément accès à tout. Je suis morte. Un rôle temporaire, je sais pas. Oui, attends, je vais faire ça, ouais, 2 secondes. C'est plus simple à gérer. Allez, hop. Voilà, normalement là tu peux. Ouf, oui. Parfait. Incroyable. Bon, il faudra une nouvelle édition de questions pour un unique cette année. Voilà. Bah oui, Darka, c'est quand là? Moi je pensais qu'il allait en avoir un merci, chaque mois. Merci de m'avoir raise. Pas de soucis. Donc Fosta, là en soi, toi t'as un passage, je dirais que c'est à l'est. Il faut qu'il porte deux portes à droite sur la map. Peut-être qu'on aille à la base, attends. Non. Quoi, ici? Ouais, en gros tu iras par là-bas, et il va y avoir une sorte d'arène un peu bizarre. Et l'arène, bon, il y a des mecs à défoncer, et ce sera à droite qu'il faudra passer. Très loin, vous essayez d'aller au fond normalement. Donc ici. Varda il veut pas venir, je crois. Il va y avoir une arène au fond, il sera à gauche. Qu'est-ce je crois. Qu'est-ce qu'il fait, Varda? Sur le chemin. Ça veut pas que je rentre dans le channel. Faut aller dans un autre channel en dessous, genre cinéma. Voilà, il est dans cinéma, Vardamir. Ah, oh, il est un petit peu bête, hein. C'est bon, il a réussi à rejoindre. Donc voilà, là maintenant, il y a l'arène, il va y avoir des gens affrontés dedans. C'est bon, j'y suis. Et en gros, le chemin où il faut aller, si tu veux tracer, c'est à droite. C'est vraiment droite et tu vas avoir un TP que tu peux réparer normalement. Partez pas trop loin parce que je suis un comme avec Faustea, hein, là je suis à plus rien du tout de vie. Oui, moi il me reste juste pas grand chose. Je suppose qu'ils sont partis par là. Mais oui, mais Varda, t'es paumé ou quoi? t'as pas un truc de nourriture par hasard que tu pourrais me filer? Je demandais de rejoindre la channel. C'est parce que ici la plèbe ne peut pas venir. J'ai du miel des cavernes, j'ai des bannets, j'ai
c'est de la bidoche. Non, c'est bon, c'est bon comme ça, merci. Sinon, il y a des randoms qui viendraient, ce serait la fin. Vas-y, moi j'ai pris du pané. Oh, voilà. Nouvel objectif, reformer les barrières protectrices. Bon, voilà. Ce CODF, ça peut se faire après le jeu, et puis ça se fait normalement après le jeu, il peut pas le faire maintenant. D'accord. Là, faut courir à droite. Là, vraiment, là. Tu cours à droite, y a un TP juste à droite quand vous allez arriver. Mary, tu peux le voir. TP, ouais. Tu peux le réparer. Ils ont pas l'air et très gentils, hein. Et voilà. Vous voyez, du coup, y a des Thanos partout, partout. Si tu montes l'escalier, c'est ceux qu'on les lance qui peuvent ouvrir la porte. Et là, il y aura le dragon. Ah et ouais. Putain, mais on était vraiment pas loin, en fait. Et là, attention, le dragon, il va lancer des sortes de boules violettes. Oh punaise! Accueillant des pillés. What the fuck? Pourquoi en deux secondes il se passe des milliards de trucs? Défilé, ça y est, oh, il est magnifique ce dragon! Attention, il attaque! Et là, il y a deux trucs qui se passent. Dès que c'est cachez-vous! Elles font beaucoup de dégâts et elles font des dégâts d'ombre. Donc faut lui laisser taper ses boules violettes sur chacun des pieds. What the fuck? Deux boules pour un pied pour qu'il se casse. Et il y aura des joueurs qui continuent à tuer. Du coup, ceux qui sont à la. Ben, faut vous cacher derrière pied pour pas vous faire taper. Comme ça le dragon casse les pieds, il faut buter les orques. Oula, ça devient compliqué là. Fin, y aura des apparemment le cousin de Smaug est venu en Moria. Bah ouais. Et là c'est l'antre du Balrog. Ah ouais, l'antre du Balrog. En tout cas ici le dragon. Ok, pilier 1 down. Putain, on a enfin un truc intéressant dans le jeu quoi. Ah oui, pilier 1 down, oui. Oh, bon, en fait j'aurais peut-être dû me TP aussi, parce que j'ai plus de vie du coup. Je pense que quelques paris mais ça marche. Vas-y, viens, dragon, tape. Écoute, tape. Ils sont pas près de moi, donc. Allez, dragon, tape-moi là. Si, Faustia, je suis vers toi. Ah, t'as fait le bouclier. Ah oui, mais j'étais tout seul, j'ai plus. Tape. Oh, j'ai plus mon boubou. C'est ma façon d'aimer. Vas-y, tape. Hero fait quelque chose, on s'ennuie là. Non, mais Orval, tu vois pas, là, y'a un dragon là. Je donne tout là. Je fais de l'entente thermante là. Je viens de follow. Les clés, agite les clés. Oh bah non. Non, ne follow pas, Orval. La meilleure arme du jeu. Ouais, mais bon, on a plus de vie surtout. Je suis mort. Ça vous dit, on se replie et on va manger. Je suis mort de l'ombre. Parce que là, vous avez un TP, vous pouvez revenir très vite. C'est vrai. En plus, le dragon. On va manger, faire dodo. Attendez, je sauve Faustia. Je me trompe dans les touches. Ah, je sauve pas Faustia. Et le TP, il s'appelle. Ah, si. Ça a marché. Oh lolo. J'ai été brûlé. J'ai cliqué deux fois. Attendez. Je comprends pas, je suis toute seule? Bah, je crois. Non, je suis encore. Oh, je me suis fait défoncer. Merci. Vas-y, barrez-vous, on se barre. Repli stratégique. Ah, c'est l'ossuaire. Pourquoi je peux pas me barrer? Je suis dans un mur. Vite, cassez-vous. On se replie à Minas Tirith. Barrez-vous. J'ai TP au premier truc, Caradhras le cruel 1. Hein okay. Je vais mourir. Putain, sa mère. Oh là là. Les mamans n'y sont pour rien. Si, c'est sûr. Non, je viens juste chercher mon stuff. Mais non. Me tapez pas. Gros, il va encore mourir, j'en peux plus. Ah d'accord, parce que les orques ça suffisait pas, maintenant faut qu'il y ait des dragons aussi avec le gros dragon quoi. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Non bah le fun. Il est mort là. Et tu vas mourir. Non mais arrête, parce que du coup. Oh là là, mais voilà, je me fais bolos à cause de toi. Merci en tout cas, c'est gentil. Putain, alors qu'il aurait pu juste taper que. Vraiment, c'est la merde. Et il se barre hein. Il se barre la putain. Ça vous donne un bonus du rank 4 win qui augmente les dégâts que vous allez faire aux orques. Et vous donne aussi plus de barres d'énergie pour faire des roulades. Il va pas me rêve. Alors attends. D'abord, je les tue. Écoute, on fait comme on peut. Il va crever là, il va crever face à deux orques. Bah en vrai, il y a des chances. Bah oui, j'attends la bouffe. Hein. Il faut taper à un moment. Hein. Je déteste. Tu crois que je fais quoi? Oh là là, il a fait un 234 de dégâts. Ça c'est. Ouh, il a essayé, mais c'est raté. C'est tombé dans le vent. Mais crève, charogne! Ah, il bloque le coup. J'ai un belle HP. Tentative de l'orque pour revenir sur le match. Putain, mais c'est pas possible. Alors, on a un petit peu de mal. Ah, le coup dans le vent. Aïe. Et c'est le décès. C'est la victoire de l'orque comme prévu par toutes les statistiques.
En même temps, à 99,99 de chances de succès pour l'orc. Elrond n'en avait, lui, pas beaucoup. Envie de crever sa race. Faustia. Ah, merci, Bulia. Bulia, c'est un vrai, lui. Ouais. Bah, c'est juste qu'elle est en train de retenir les monstres, parce que moi, j'ai pas d'armure, en fait. Ah, mais moi, je me casse, là. je me casse, je prends mes clics et mes claques. Ok, je reviens. Moi je veux dormir et c'est ciao. Oh, y a des ennemis qui nous arrivent dessus, attention Nari. Attends, j'essaye de trouver le bon TP. Hop, c'est Fléau 2 machin, oui. Le commentateur du sud-ouest. Putain, mais pourquoi ça m'a TP ici? C'est vraiment de la merde ce jeu. Parce que le jeu il est con. Mais non, mais franchement, vous savez le bug qu'on avait où ça nous TP genre pas au bon endroit là? Ouais, ça m'est arrivé deux fois d'affilée juste tout à l'heure. C'est vraiment un plaisir ce bug là, je trouve. Je pense que c'est un beau bug. C'est le pire bug du jeu en vrai. C'est tellement pas être en sécurité et tu te trouves nulle part en mode ben ok d'accord. Bah surtout ouais, c'est pas là où je veux quoi. C'est surtout ouais, ça. Je fais dodo dans le lit. Alors attendez, tac. Vas-y, TP moi au bon endroit. Tac. Et ça fait bim bam boum. Excusez-moi. Je suis prêt pour dormir. Excusez-moi. J'arrive. Mais vu que je me faisais taper, j'ai tapé sur. Allez, venez au lit là. Là, tu peux aller manger la dernière. Ou Elro, c'est égal. Aller manger la dernière saucisse purée puis en refaire. Allez, va manger la saucisse purée, Elro. Attends, mais du coup, j'en refais comment? Bah, dans la cuisine, hein. Oui. Jamais tu pourras taper avec la pelle cloche contre les orques, tu feras plus de dégâts avec. Et contre le dragon, tu passeras sur avec ta lance, tu veux. J'en ai refait. Allez, venez au lit. Putain, on va pouvoir terminer ce jeu de mort. Comment c'est beau. Allez, on se fait des gros câlins. Allez. Oui. Le réarmement là, let's go. Ouais. Quoi? Le réarmement démographique, Elro. Tu fais pas le réarmement démographique, Elro? C'est Macron qui l'a dit en plus. Moi je fais pas partie de ça et Bulia non plus, hein, on sort de là. Oh ça va, vous pouvez participer. Hein. Non. Bah, vous savez, bah, Bulia peut plus participer que toi, mais. C'est chelou d'aller au lit tous en même temps là. Mais en et plus, côte à côte, que en plus. Propose pour vraiment démographique, c'est stupide. Genre. Ouais, on verra si les gens ils sont fertiles. Et 75% du temps, si un plan est fertile, parfois il est peut-être pas fertile en fait. Oh non, mais c'est. C'est stupide ce qu'il fait. C'est nauséabond. Oh, c'est... Ouais. L'endroit c'est l'ossuaire. Allez, si on TP au même endroit ou pas? Parce que moi, du coup, moi j'y suis. Il y aura trop d'enchantés au bout d'un moment. Il faut se le toper. Il faut arriver à que la France peut-être attire des gens qui viennent d'ailleurs. Pour qu'il y ait une bosse en France, à la limite. Faut qu'ils fidélisent les viewers. Les gens viennent en France, c'est tout. J'avoue, vive la France. En France, ben, ça coûte cher. Non, venez en Belgique. En Belgique, ça pue, c'est mort. Quoi? Venir en Belgique, on va bien en Belgique, il y a des frites. Il y a des frites, il y a du chocolat, il y a de la bière, et puis il y a Faustéa. Il y a un monde en Belgique, je vais arriver parce que j'ai. Ah, le Louarg! J'ai bossé dans un studio à Bruxelles. Ah, mais c'est bien, Bruxelles, capitale. Tu es bruxellier? Vas-y, crache-moi dessus. Ouais, je regardais ça tout à l'heure aux infos et tout, et j'ai tendance à dire Bruxelles. On veut pas savoir. Non, c'est Bruxelles. Bah oui, non, mais je sais bien, Bruxelles. Le chou Bruxelles. M'appelle sont des mots qui vont. Attendez, très j'arrive, bien les copains. Ensemble. Je me fais soulever le cul. Très bien ensemble. On est pas au courant qu'il y a eu le fait de la loi immigration. Akala. Non mais en vrai Bruxelles J'ai vécu deux ans à Bruxelles. En vrai ça pue un peu je trouve. Plus jamais, ça pue la merde. Mais non, il y avait la rue au sex shop. Non, ça c'était Charleroi. Ah merde. Bon. Charleroi c'est encore mieux que Bruxelles. Un dragon. Oh punaise. Attends, j'étais en train de commencer à taper les mecs avec des elle doit pas taper. Mais elle doit pas taper le pilier. Bah si, mais elle a pas l'air de vouloir. Moi je la bute, hein. Motivée, machine. Moi je la bute, hein. Je la soulève. Donc on casse les piliers et ça va faire tomber le plafond sur exactement. Sa gueule. Exactement. J'ai plus beaucoup de vie. Plafond, mais elle va partir. On va pas la tuer alors.
Alors vous, vous la tuerez plus tard. Et il y a un monde où vous la tuerez deux fois et je la bugger. Il y a un monde où on le tuera deux fois. Oh. Parce que moi, le monde de Ravon, je nul quoi. Vardamir veut vraiment réarmer la population naine avec son gros marteau de Durin. Oh ouais. Je vais crever en fait. Ah mais j'ai encore crevé à cause du désespoir. Non mais c'est un prank ce jeu. Quand tous les pieds seront détruits. Sinon elle ne part pas. Attends, il faut faire quoi? Tout français qui serait été, je ne sais pas où se trouve Charleroi. Oui mais ça oui, il faudra tuer les drakes qui courent autour de nous. Ok. Ben Shalom, elle ne part pas. Je suis mort. À ce qui paraît, je suis mort, les amis. Ça ne nous intéresse pas, Elro. Elro, tu restes mort et nous, on s'occupe des piliers. Oui, chef. Je suis mort. Pour être adulte. Ah, bon, voilà, c'est. Ah putain, elle t'a craché, mais juste. Shalom. Ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. Merci. Ok, je cours. Je vais peut-être me replier. Oh, c'est joli les trucs qui lévitent en l'air. C'est pas du tout. C'est pas du tout pas logique. Elle est où la porte? Elle est là. Elle est là. Je suis en train de. Pour quelqu'un t'arrête le footstat à. Repli stratégique. Tout français doit être un. Doit être pour Napoléon. Qu'est-ce qu'il raconte? Repli stratégique. Désolé. Crevé. Mais il sort quand la version longue de Napoléon là? Jamais. Moi j'attends pour regarder. Napoléon, je dis rien. Le film, oh là là, au secours, oh, mais... D'accord, j'ai pas eu le droit de me TP, bah super. Et moi j'ai pas eu le droit de manger. On est tous morts. Quoi? Non, Elro théoriquement va être en vie. Et moi je vais me TP parce que là ça sert à rien. Le poil là. Alors attends, je mange. Attends, on doit vraiment déglinguer tous les piliers qu'il y a autour d'elle. Oui. Ouais. Mais c'est complètement con. Putain. Non, c'est le fun. C'est leur définition du fun, voyons. Alors, Enfin, c'est immense. Généralement, j'en mets genre 4, 3, mais pas genre 2. Non, mais les développeurs, ils se sont dit, bon, les gars, on n'a pas 36 000 salles, donc autant profiter pour mettre tout. On n'a pas beaucoup d'idées pour les boss, alors on va faire. Tout compris, t'es même pas sûr que c'est vraiment ça le truc. Et c'est mal expliqué, franchement. Bah, il n'y a pas d'explication en fait. Try, c'est que c'est pas sinon, expliqué, c'est qu'il n'y a pas d'explication. C'est ça. Ouais. Rien n'est guidé dans le jeu. Le jeu en soi, c'est pas qu'il est. Mais c'est qu'il est genre. Pas assez polish. Il y a plein de trucs où ça pourrait être mieux fait sur plein de choses qui rendraient le jeu. Il y a un dragon qui essaie de passer. Mais j'ai oublié de réparer le stuff en fait. Je suis bête. Et le jeu en soi, il est vraiment bête et méchant. C'est ça qui est vraiment dommage. Sur. Quand t'arrives dans les zones. Là, typiquement, vous donnez du stuff de Mithril pour taper, ben c'est cool. Mais sinon, vous l'avez après le dragon, le stuff de Mithril en général. Et du coup, ben. Ah oui, c'est vrai qu'on était parti sur ça au départ, le mithril. Mais là, on a du mithril, non ? Vous l'avez, le mithril, là. Vous l'avez ? Vous n'avez plus besoin de mithril. Ah oui, hein ? On est déjà full stuff, en fait. Ouais. Mais on en a jamais trouvé, du mithril. Moi, je voulais trouver du mithril, je voulais en miner. Alors, comme Bernard. Du mithril, tu vas vraiment chier de ouf pour en avoir. Parce t'auras, que y a, t'en auras y a pas de mithril. Et en fait, il y a l'ombre. Tu vois, c'est la zone dans ça va, Varda. Où tu devais aller dans le Bolos. Même Bolos, mais regardez cette victime. Regardez cette victime. On est de l'autre côté, nous. Oui, bah il y a un drake devant la porte, qui est littéralement dans la porte. Il y a un drake qui fait kéké. Il y a un drake qui nous fait kéké dessus là. Attends. En plus, même en forçant. Même en forçant, ça passe pas. Je tente le forcing. Mais putain, et va niquer ta mère, hein. Maman. En plus, elle est derrière, alors ça va être plus pratique. En vrai, c'est drôle. J'aime bien le voir se faire victime. Oh vas-y. Vas-y, je viens t'aider. Oh ouais, c'est bien, t'as fait diversion. Voilà. T'es un bon gars. J'ai perdu la moitié de ma vie, j'ai plus d'armure, c'est génial, mais Je l'ai buté. Enfin je suis en train. Il nous reste 30 minutes pour finir le jeu hein. Ah bon? Rappelons que c'était ça l'objectif. Aujourd'hui, il reste 30 minutes hein. Putain on est vraiment des merdes. Vas-y, je vais sauver Faustéa. Merci! Ah, c'est déjà fait. Pourquoi elle s'est barrée? Ah, elle s'est envolée? Okay, ouais! Et on a même pas vu la fin! GG à tous! Il y a un truc qui est cassé sur l'un des murs. C'est marqué suivez le dragon. Et dans ce deuxième salle, en fait, moi je sais pas comment je suis passé, mais il y avait peu fait sur le dragon et Drake. Et je suis passé par derrière en mettant plein de plateformes de partout. Je suis monté tout en haut. C'est
J'arrive pas à grimper sur un putain de boss et au final on a même plus, pas pu voir la cinématique de fin parce que ça s'est terminé hors champ. Tout ça pour nous dire ça se trouve il y a une autre salle mais c'est la même genre. Imagine. T'imagines c'est juste la même, ils ont fait un copier-coller et là tout le monde meurt. Allez, oh, allez. Un nain sur 4 est mort. Oh, petit dégât de chute tout mignon là. Alors ici moi ce que j'ai fait c'est que je suis passé par derrière et j'ai fait le tour en fait avec les oula, oula. La sextape ça nous intéresse pas là. Vas-y. Donc, vas-y, moi je passe par devant moi. Et là, en fait, le dragon, je lui ai baissé son froc. Et en vrai, il a les bonnes rêves là. Il est beau gosse, il est beau gosse. Comment ça te tard, on est fatigué. Ouais. Et je crois qu'on regarde beaucoup MV, toi et moi. Oh là là. Oh, mais c'est chiant. Attendez, moi je me fight contre un dragon là. Ah, tu fais contre toi. Oh, mais arrête de me picher dessus là. Oh, j'en ai marre de ce dragon. Oh, t'es tombé. Mais... C'est ça, ouais, on croise un ennemi, on poirote, on meurt, on poirote. Et on passe à l'ennemi. C'est un peu ça. J'ai mis une truc dans le décor, donc je peux pas la récupérer. Eh, wallah, on va le tuer ce dragon. Putain, ça y est. Ça y est, par le wesh-wesh, là, il est énervé. Alors, je lui chatouille les écailles. Nous dit quelqu'un dans le chat. Darga. Tu as monté quoi en faute là? Oh ah là non là. Mais c'est pas par là peut-être, je sais pas, en tout cas j'ai tourné autour du truc par derrière mais du coup ils sont en train d'y arriver je crois. Il y a quand même des dragons qui surveillent la zone. Ah ouais, ils ont été plus intelligents que moi. Ben ça marche aussi mais du coup ils battent contre des dragons mais moi je me suis arrivé à faire chemin sans battre contre des dragons donc je suis content. Mais attends, faut aller où là? Faut aller tout en haut. Alors ok, premier total. C'est où le Mordor là? À gauche. Ah. Mais à gauche y'a rien. En fait, mais putain, mais prends ta plateforme! On peut trêve peut-être. Y'a le roi qui peut peut-être te rêver. J'ai trouvé une pierre cartographique. J'ai trouvé une dragon, pierre. Mais va niquer ta mère avec ton feu de merde. Vas-y, attire-le. Attire-le, je le bolosse. En fait, le dragon il a une vitesse d'attaque. Je ne vous pas la pierre. Juste abusé. J'ai besoin de m'agacer. Après, casse. Là, y a une dernière phase. Oui, c'est pareil. J'ai envie de voyager. Oh, je voyage. Allez, filon de mithril. Hop, j'ai cliqué sur le premier. Non, je pense que je vais crever de désespoir là-bas. Je me cache. Sur le boss. Y a une toute suis les plateformes des autres. Mais tu crois que je fais quoi là? Attends, et ce dragon, je vais le soulever. Il a ça à dire ta gueule là. Tu crois que je fais quoi là? Je suis derrière. Je suis derrière. Je crois que Nari est le plus proche de moi. Ouais, mais moi j'ai un dragon au cul. Attendez, moi je suis en train de. Il y a un dragon. Je vais te soulever ta grand-mère, toi. Ah, vous avez réparé la pierre de TP au-dessus? Oui. Mais va crever! J'arrive. Mais va crever, t'es mort! Il y a un dragon juste à côté de moi. S'il me tue, je le bute. C'est pas grave, je suis presque full life. Comment ça? Si tu me tues, t'es mort contre le dragon. Non, s'il te plaît, meurs pas. Si je meurs, je rush quitte. Non, ne me quitte pas. Allez, mais j'ai mangé une carotte là, reprendre la vie. Ah, c'est plutôt toi qui vas te manger la carotte. Quoi? Ah non. Putain, pourquoi il m'a descendu comme ça? Non, on s'est fait carotter. Je vais sauver Faustéa. J'ai tous pris une carotte là. Attends, y a des méchants près de toi, Faustéa, ou pas? Le dragon s'en va. Ok. Tu me préviens s'il y a quelque chose? Ah, il revient. Oh, non, j'ai un HP. Ça s'en va et ça. Non, mais. Si tu te baisses, y a moyen. Si je me baisse, ça passe. Ah, mais y'en a Ricky qui est là. Oh, je vole! Allez, vite, vite, vite. Je vole dans les textures. Vite. On peut rien faire. C'est n'importe quoi. On s'envole. Oh, je vais l'enculer. Il m'a tué. Là, quand même, non, franchement, le chat, je suis désolé, mais sa boule de feu, elle a e-cross the map. C'était terrible. Allez, j'en peux plus de ce jeu. Venez me sauver là. Faustéa. Je vis. Elle bute le drive. Ah oui, il est mort. Merci, Nari.
J'ai vraiment l'impression. Un stuff de endgame et que juste des petits mobs comme ça nous font encore. Des chier. Petits mobs, c'est quand même des dragons, ouais, mais. Moi, oui, ça, mais par rapport au stuff qu'on a, c'est censé être des. Le jeu qui va ban Elro de Twitch. C'est quoi? C'est joli? Il a une fin de jeu ou pas forcément? Si, si, il a une fin. Ah. Et là, en fait, on est vers le boss de fin. Attendez, je vais là, me soigner. Et là, c'est le boss de fin. Attendez, Alexis, je vais me soigner. Pensez pour toi. Tu n'es pas avec nous, mais on pense à toi. Il était pas censé venir au bout d'un moment? Et là, le jeu, il nous dit absolument pas ce qu'on doit faire. Hein. Non. Là, pareil, il y a 4 piliers à 4. Allez, moi je me cache derrière le pilier. Si Twitch banne Elro, je bannerai Twitch. Ah ouais. Ah, les pieds, vous les cassez, et globalement, le dragon va être entre guillemets stun et vous pourrez le tuer. Mais du coup, moi, mon jeu a bugué parce que j'ai tué le dragon deux fois. C'est Chazon et les Argonautes. Attendez, je remange un coup. Et j'arrive. Vous voulez pas venir manger là? La fin du jeu, c'est quand on décide d'arrêter de jouer. La fin pourrait être là. Hein. Vous voulez pas venir vous soigner là? Mais c'est chiant de ouf. En fait, on doit rester comme des teuteux derrière les piliers jusqu'à ce que ça casse. C'est ça. Wow, non, mais abuse pas, sa boule de feu est allée tout droit devant lui. Je sais pas. Non, c'est faux. On va se rejoindre au même pilier. Hein, parce que... C'est faux. C'est le jeu, il pue, c'est mort. Ah oui, ça sert à quelque chose de casser? Ah, c'est pas con ça. On est à deux doigts de la victoire. Je crois que vous pouvez casser, mais je suis pas sûr. On peut les casser. On a 4 à casser. Et ensuite, normalement, on va faire stun et vous pourrez taper le dragon. Moi, c'est le dragon que je vais casser en deux là. Casser le pilier. Vous pouvez revenir au fond du Rhin. Casser le pilier. Enfin, au fond de cette catadome. Moi, c'est le dragon que je vais soulever. Soulever ta mère, le dragon là. L'antre du Balrog, tout simplement. Voilà, on va te niquer. Avec mes cousins les nains, on va te niquer. Ah, ça oh, y est. Il a la barre de vie. Varda. On s'alague. Varda, il est en roue libre. On s'alague de partout. Oh punaise. Narak. Oui, lag. Narak Chazon. Ah oui, t'avais pas compris ma blague de Chazon et les Argonautes? J'étais pas là. Mais si, t'étais là. Non, j'étais pas là. C'est un truc trop bizarre. Ok, j'ai pris quoi? Non mais ça lag de partout. Moi je me prends des dégâts, je sais pas de où. Non, ça lag pas. Comment on lui fait des dégâts? Il y a des chaînes. Avec la lance. Ah, c'est que avec la lance? Ah oui, donc nous on sert à rien quoi. Ok. Faudra Refosca, elle va mourir de l'ombre. Bah au pire, Fosca balance la lance et on switch. Bah moi je regarde de loin. Non, elle a... On peut pas lui monter dessus? Bah non, ils sont pas à l'RS. C'est honteux. De quoi? De Jason et les Argonautes? Non, un autre truc que j'ai dû dire avant, je crois. Attendez, je vais sauver Nari. Je vais sauver Nari. Le soldat. Mais Dragon, c'est mort! Attends, j'y vais. Non, c'est moi. What? Allez, ton corps, il s'est déplacé. Il joue trop bien. Mais Faustia, c'est la boss. Elle donne tout pour nous carry. Elle a un point de vie. Vas-y, Faustia, vas-y! Ah, mais elle bouclier en avant. Vas-y, Faustia! Bah, justement, je le viens. Mange, c'est mort! Moi aussi, j'essaie là! Mais j'avais qu'à le prendre! Oh, objectif terminé, tuer le dragon! Désolé, on l'a eu! Bolo bolo bolo! Bravo! Waouh! C'était vraiment fun! C'était la guerre d'exploitation! Et bah voilà, c'était. Maintenant, on loot quoi sur lui? Qu'est-ce qu'il nous donne? Au moins un truc incroyable! un diamant noir! Des palettes de mithril! Ah oui, carrément! Des palettes de mithril, vas-y, on démonte littéralement l'équivalent d'un dieu ou je ne sais quoi. Depuis quand des dragons tuent une palette quoi? Non, j'ai eu une bague usée. Depuis quand des nains tuent des dragons? Du minerai de mithril. J'essaye de la miner, ça donne rien. Et diamant noir. Après, si vous voulez, maintenant vous pouvez retourner au pont Cadadome et du coup finir le jeu parce qu'il y a une cinématique de fin. Mais non, il y a une cinématique de fin. Bah rien que pour ça, j'ai envie de la voir. This is insane. Ah mais il est où Harry? Oh, il y a Harry. Ah oui, là. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. C'est moi, il a dit chase. Non, save. Plus aucune malédiction ne se dressera sur notre chemin. Le roi Thorin et Gimli vous attendent pour le thé. Non, oh. Arrête, il ne servait à rien. Le corbeau. Moi, j'ai faim. Tu m'excuses, mais à part de la bouffe, marteau en diamant pur. Et c'est là normalement que vous pouvez réparer, c'est le pont de Cadadome. Ah. On va déjà réparer. Le truc qu'on a réparé d'il y a. C'est ça.
Il y a deux streams. C'est juste la dernière fois ça qu'on a fait ça, non? Un stream ou deux, je sais plus. Du coup, on s'était payé où là? Je me souviens plus où fallait se lever. On peut juste aller manger. Ouais, on peut déjà dormir au pire. C'est ouais. Après profondeur inférieure, je crois, c'est la creuse des nains. Ah oui, c'est l'armurerie, c'est pas ça? Ouais, je crois que c'est l'armurerie. Pourquoi il y a un dragon qui m'attaque là? Voilà. TTP n'importe où, RIP Foster. Ouais. Je vais mourir dans ma maison. Il y a un dragon qui nous attaque. Oh non 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 mais non. Ah, je vais mourir dans la maison. J'ai été. Ah Nari, t'as été TP comme moi. J'ai été TP n'importe où. Oui, même chose. Putain, mais quel bonheur. Dans les escaliers. Allez, let's go les escaliers. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai vu les heures, j'ai fait demi-tour. Hein? Pourquoi t'as respawn en haut? Parce que je voulais cliquer sur manger, sauf que le jeu il a considéré que j'étais déjà mort. Et du coup? Ah bravo. Du coup, t'as juste respawn. Mais je vois pas ton stuff. Mon cadavre, il est à 859 mètres. Oh, je crois que t'as fait tag glitch. Oh, il m'a remis à l'eau sur. C'est pas vrai! Ou au Alain du Balrog. On est fou là, on veut juste TP pour aller pour y finir le jeu donc. Ah, vous voulez pas qu'on se repose? J'ai qu'un point de vie. En vrai, y a pas besoin de vous redonner des PV pour aller finir le jeu. Ah, ok. Bon, donc autant être en pleine forme pour terminer ce jeu. Donc c'est armurerie, c'est ça? Ouais, je crois que c'est armurerie. Attendez, je suis parti chercher mon stuff quand même, par acquis de conscience. Attendez, armurerie, c'est où? Creuser des nains, armurerie supérieure de la troisième profondeur. Ah oui, mon stuff est là. Creuser des nains, creuser tes morts. Creuser. Parce qu'il y a tout le monde TP n'importe où. Parce que le chargement il prend long. Cité des croupières. Armurerie supérieure de la troisième profondeur. Je crois que c'est ça. Hop. Hop. Bah écoutez, on croise les doigts. Hop. En tout cas, cette fin de jeu n'a aucun sens. Ah ouais, non, c'est... J'ai jamais vu un jeu aussi bâclé. Enfin, aussi mal guidé, plutôt. C'est un peu... Dire ça alors qu'il y a eu Gollum. Mais non, Gollum, au moins, c'était clean. Tu savais où tu devais aller. C'était clean dans la dégueulasserie, quoi. Ah non, mais au moins... Non, franchement, Gollum, à côté, je trouve ça beaucoup plus clair. Il était pas un petit peu buggé, quand même? Oui, il était buggé, certes, mais... Au moins, c'était linéaire, quoi. Ah bah oui, mais en même temps... Tous les moments de rage intense que tu as eu. Oui, oui, c'est vrai, mais par rapport à la recherche, c'est moins gênant, je trouve. Oh, tu peux redire ça, Jero? Bah écoutez, je pense avoir bien rigolé sur Gollum, quand même, et que en termes de visibilité et de suivi du jeu, Gollum était quand même vachement mieux. Oui, Gollum est un jeu linéaire et là où vous retournez Tomb Raider, c'est ben démerdez-vous, trouvez votre chemin et comprenez ce qu'il y a à faire. Et encore en plus, on bête les méchants sur quand tu vas de zone en zone. Oui. C'est ça qui est le gros début du jeu, c'est que t'avances dans une nouvelle zone, le jeu est bête les méchants. Et du coup, si t'as pas le stuff qu'il faut, ben tu te fais rouler dessus quoi. Il faut farmer pour avoir le stuff et... C'est deux. Ça, de 1. Et puis, de 2, je trouve que les mécaniques de survie dans ce jeu sont totalement oubliables. Elles servent à rien. Genre le tout le base building ne sert absolument à rien. Et le lore est vraiment pas mis en avant, je trouve. Et c'était un petit peu le truc qui allait nous faire. Attends, je crois qu'on s'imaginait se poser et s'amuser et parler lore un peu. Et en fait, on a absolument pas fait ça, quoi. Il y a rien qui s'y prête. Faut que j'appuie sur E là. Ouais, vas-y. Pardon. J'ai encore des choses à faire. Attends, allez voir, c'est les quêtes qui vont te faire. Envie de crever. Et là, ils vont me dire, vous êtes qu'à 50% du jeu. On n'a pas la pierre, hein. On a forgé l'arme en mitril. Oh. Du coup, on a eu le boss de fin, c'est comme si on avait fini le jeu. On n'a pas la cinématique de fin, mais YouTube l'a sûrement. Mais si vous voulez la cinématique de fin, je peux vous la donner. J'ai encore, c'est le record de mon stream où j'ai fini le jeu. Non mais il doit y en avoir un milliard sur YouTube. Oui, voilà. Je pense qu'elle est trop bonne, mais... comment ça on peut pas terminer le jeu? Le roi Thorin et Gimli à Miraland en passant par la porte orientale de Ruisselombre. On doit reformer les barrières protectrices. Oui, mais bah ça c'est pas justement dans la zone avec oui, les Oui, c'est secondaire ça, non? Barrières protectrices, c'est totalement secondaire, barrières protectrices. Non mais à mon avis, il y a aussi récupérer tous les fragments de l'âge de Durin qui posent ça problème. Ça se trouve, dans ta botte de Gollum, il y a tous les bugs résolus.
C'est vrai que j'ai toujours pas ouvert toi, Jlo. Oui, elle a creusé des nains. Coucou Dr Dream, comment ça va? Jeudi prochain, tout sur BFME. Oh, j'avoue. Jeudi prochain, N3Dead en vrai, si vous voulez. Parle-le. Ah, mon chaud, hein. Ah. Comment, pourquoi t'es morte? De faim. Mais faut manger. Faim de loup. J'aime bien le. Tu veux des légumes ou quoi? Il y a du pané si tu veux. Récupérer la pierre des Khazad sur la tombe de Naïn avant de partir. Oh. Je dois rapporter la pierre de Khazad au roi Thorin. Je dois la récupérer sur la tombe de Naïn à la forge de Mithril et sortir par la porte de Ruisse l'Ombre. On n'a jamais chopé la pierre. Elle est juste devant la forge. Alors juste devant, il y a un mec par terre, une tombe et tout devant la forge. On est con à ce point-là ? On rentre dans la forge, il y a une porte en fait. Attendez, vous pouvez pas. Je pense que c'est probable. J'ai assez pour faire un TP ici. Allez, vas-y, fais le TP ici. Est-ce que vous avez du charbon pour faire un feu de camp ? J'ai peur du nom. Au pire, il y a deux TP pas loin si vous voulez. Mm-hmm. Ah bon ? Une armurerie sur laquelle que vous avez pris, il y a un TP. Pour finir le jeu, vous devez vaincre le grand gobelin, vaincre le warg noir, vaincre le troll géant, vaincre le dragon de lave, vaincre le balrog de glace et vaincre l'esprit invisible de Sauron. Attends, quoi ? Le quoi ? Vaincre le balrog de glace ? Ah oui, j'aurais tout aimé voir un balrog, mais il y en a pas. C'est Darga qui l'a dit. Non, mais je pense après tout, ces connards dans cette série de merde, ils ont fait un troll des glaces, alors ils seraient capables de faire un balrog des glaces, ces fils de pute. Troll des glaces, on les avait déjà vus avant. Il y a Varda Bof qui est là. Bah ta gueule, toi, t'y connais rien, toi. C'est vrai. Ça, il faut les fautes d'orthographe qui vont avec, bien entendu. Ouais, et puis t'es à l'oral, c'est pas évident. Et puis évidemment, t'es pas un vrai fan. Non. Oui, t'es pas un vrai fan. Non, putain. Toi, t'es un faux fan, toi. Ouais. On est un faux. On est des faux fans. Des Faustéa. C'est la team Faustéa. Alors, il a récupéré un kebab. Quoi? Moi, je crois que je vais juste aller chercher une vidéo de la cinématique de fin. Franchement, on a fini, hein. On a fini. Non, mais attendez, on y est presque, là. Soon Terre. Vardamir, si tu vas au fil de Mithril et que tu récupères la pierre des Khazad devant la forge, je rigole. Vas-y, JB. Ah, j'ai bah quoi, il y a un putain de dragon dans ce jeu, c'est bon, YOLO maintenant. Non, mais je suis d'accord. Merci, hein. YOLO, c'est Nono. Pour ceux qui ont la rêve. Pour moi, j'avais Nono, le petit robot. Non, mais YOLO, par le Nii Island. Ah, non. Tu parles de cette statue-là, là ? Ah non, c'est dans la forge. Dans la forge, en gros, il y a une pierre tombale, tu blairas peut-être devant toi, Vardamir. Ah oui. Le devant. Oh, objectif complété. Y'a vraiment personne qui a YOLO ? Raté ça ? Non. Bon, vraiment, c'est un scandale, là, on est aveugle. Là, j'ai presque envie de dire qu'on mérite notre sort, quoi. Tu prends la porte, y'a la pierre des canettes devant toi. Et du coup, là, on peut retourner au truc, là, où on était ? Ouais, c'est bien. Ouais. Après, si quelqu'un est déjà devant la porte, il y a un monde où vous pouvez passer si quelqu'un est déjà devant la porte. Non, mais moi, je vais mourir de faim, donc je me fais à bouffer. Attends, c'est où déjà? Je suis perdu. Armurerie supérieure. Le dépôt de bilan est proche, ah là, ouais. Vardamir Bof. Un petit peu. Ah, il y a un clip qui a été fait. Je pourrais le mettre sur Twitter. Parfait. Tu vas pouvoir préparer ton prêt cool. Twitter. En vrai, il est cool, le pont. Il est pas assez long dans une salle pas assez grande, on est d'accord, mais il est cool. Mais j'ai un Twitter, tu vois, la première marre. Fois, c'est vraiment stylé quand t'arrives dans ce jeu pour la première fois, t'as Dragon qui passe, tu vois le pont, c'est cool. Quoi. Enfin, c'est un peu la définition du jeu. Quoi. C'est le truc que j'ai pas vu. Le design est sympa, mais t'as l'impression que tout est petit. Ouais, c'est vrai que c'est très petit. Moi par contre, pourquoi j'ai beaucoup aimé le jeu à moins les jeux. Je fais le getter et je suis arrivé ici, on a à peu près 2 heures sur le pont. Du coup, moi, tout s'enchaîne très vite. Et du coup, c'est kiffé que j'adorais le jeu tout le moment. Du coup, faut crafter la halle du Rhin, c'est horrible parce que t'as une grosse faille de game design dans le jeu à ce moment-là. C'est infernal. Mais sinon, en vrai, en solo, ça passe quoi. Non, en multi, malheureusement, le jeu l'art des. Solo ! Bon, vous voulez que j'essaie d'ouvrir ? Attends-nous, on arrive. Attends, on est bientôt là. Qu'on... Non, parce que si c'est pour que vous arriviez et qu'on me dise, ouais, mais non. Ça marche pas, au pire des cas, vous regarderez une vidéo YouTube.
vous regarderai ma rediffusion si ça marche. Regarderai un bon fils de boule à la place. On est bientôt arrivé. Allez, on va remettre ce que tu regardais lors de ton dernier stream. Non, mais moi, c'était trop bien. Moi, c'était trop bien. Après, je me remets un petit replay là. Ah, oui, allez. Moi, vas-y, moi je regarde ça. Je veux savoir comment draguer à McDo en suçant une banane. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi. On veut tout savoir. Je veux savoir comment draguer une banane en suçant un McDo. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'en soi, il y a un concept? Ah oui, non mais la meuf a un concept. Elle a un bon concept. Hein. Ouais, ouais. Les gens payent pour... Bah oui, mais en fait, elle fait des faux dates et les gens payent pour faire éliminer ou les pas gens. Le mec. C'est masterclass. Ouais, le moment... Attends. On appuie. 3, 2, 1, go. C'est moi, il se passe rien. Oh, ça y est. Franchement, enfin, finis ce jeu de mort. Vite. Moi, au moins qu'avec ça, ils ont exploré le dehors et qu'on voit le lac du miroir et tout. Non, c'est tout blanc. Pourquoi y a rien là? C'est tout blanc, mec. Alors, je vous laisse sortir. Ouais, sortir, ok, c'est blanc. Putain, on est à la fin du chat. Ça y est, c'est le paradis, on est décédé. Il y a une cinématique. Bienvenue en Val d'Or. Tu sais, la terre du milieu, elle est... Le tout premier mitre est extrait par Doreen. J'ai appuyé sur la touche, ça m'a annulé la cinématique. Je stream, rejoins sur Discord. On a enfin fini ce jeu. T'as raté le meilleur moment du jeu. La fin. Et j'ai l'impression, on sort et ils sont en train de faire la fête dehors. C'est un peu ça. Ah, je veux voir, merci Foster. Bien joué, vous avez fait tout le taf. Maintenant, on se place à la fête. Attends, c'est pas fini la cinématique. It was a pickaxe. En fait, Gimli fait juste un caméo dans le jeu. Balin thought it was a great weapon. And a dragon? Oh. I have some tales to tell, Lord of Moria. Hélas. Comme Vardemir a chier dans l'alcool, je viens voir la cinématique ici. C'est bien, métro, reste ici, on est mieux. Ah, Aragorn n'est pas mort. Oh. Mais non. Perhaps hear the lady of the wood again. Tout est lié, Faustéa. But your story doesn't end here. Oh no. Ouais, tout est lié. This is your company now. Et maintenant, globalement, Gimli vous dit, bon, si vous voulez continuer au jeu, continuez à jouer au jeu, réparez toute la mine de la Moria, puis voilà. Vous pouvez enlever tout le caca avec un truc que vous allez... Oh, avec son petit collier, avec les cheveux de Galadriel dedans. Ça, c'est, bon, c'est, petit Gimli. C'est ça qui est manqué dans le jeu, toi, des cinématiques... Toi, le début est intéressant, la fin est intéressant, mais... Avec les petites étoiles au-dessus, là. Oh, c'est une petite vidéo fin de service. Hein. Oui, effectivement. Ah, ça, moi, le générique, je l'ai vu avant vous. Ça va, hein. La cinématique, tu l'as vu en entier, la cinématique, hein, par hasard. Et le dragon, tu l'as raté un peu, le dragon, toi. Oui, c'est vrai que j'avais raté l'arrivée du dragon, j'ai raté la cinématique de fin, j'ai raté ma vie. Ah, mais j'ai eu peur de rire, je suis désolé, Varda. Non, mais. T'inquiète pas, juste parce que j'ai voulu couper le son général et enlever ma cam, du coup, ça a fait deux touches. Et ça a considéré que je voulais passer la cinématique. Bravo, hein. Bravo, le chat, bravo. Bravo, putain. On a réussi, les gars, on a réussi. On est arrivé à la fin. Il y a un bouton pour accélérer. Oui, j'ai la touche en français. Y'a pas besoin de l'enfoncer, tu peux juste cliquer. Non, mais je vais voir la fin. Alors vous savez, moi j'ai pris de l'avance par rapport à vous sur le générique, alors je vous dirai s'il y a une scène pas générique. Donc tu vas moins vite. Il y a quand même du monde, hein. Ouais. J'ai envie de crever, mais... C'est comme l'écran noir de la fin des années de pouvoir, c'est plutôt pas mal, c'est le reste c'est le problème. Non, c'est toi Elisar le pire. C'est bien de critiquer. Ok, alors, mais... toute façon, ce que tu peux faire, si jamais Vardamir, c'est tout repasser et puis recliquer sur la porte, ça te met la cinématique. Ah!
Un vrai fan du jeu prend le temps de regarder chaque nom. Alors attendez. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous on va enfin voir la cinématique. Ah oui. Oh, c'est chouette, bravo. Bienvenue voir Damir, tu vois la cinématique, j'ai à toi. Après 5 minutes après tout le monde, mais... Ah, changer, si, je là, si dans le jeu il y avait des grenades, je vous aurais lancé une grenade dans la tronche juste pour vous tuer tous à l'entrée de la Moria parce que c'est hyper drôle. Mais attends, mais moi je veux savoir ce qui se passe à la fin de la cinématique là. Y'a un truc ou pas? De quoi? Ouh. À la fin? Oui. Alors ils disent à Gérard Tolkien et voilà. D'accord, y'a rien du tout. Et du coup on arrive ici et on peut pas sortir. Envie de crever. Maintenant globalement vous pourrez crafter du coup un hôtel qui permet d'enlever le caca à tout jamais. Oui, il y a plus de tout le caca de tout. Non. Pas fait, c'est trop chaud à faire. Mais écoutez YouTube, merci d'avoir suivi cette fin d'aventure. Je vous dis au revoir. C'est la fin de Retour en Moria. Attends, je tiens juste à se féliciter les courageux qui arriveront à ce moment de la vidéo. Oui. Bravo d'avoir regardé, vous êtes courageux. Ouais, j'avoue. Et peut-être que l'aventure solo, je le referai tranquillement, mais j'attendrai peut-être des mises à jour qui améliorent le jeu. Et j'attendrai qu'il y ait un DLC avec la fin du jeu. Exactement. Alors, YouTube, merci beaucoup et abonnez-vous.